fait facile, ça. Parce que Michel, il fabrique aussi des câbles comme ça. Ça vous dit quelque chose? Pareil, de non, mais beaucoup de Kipro à l'époque étaient... Chassif, hein. Maxi Sport, vous savez, avec Maxi Sport. C'est du Reynolds, c'est du Colombus? Ouais, pareil, faut que je retrouve l'autocollant, du 531, en fait. Il y avait un autocollant? Ouais. Et je l'ai fait repeindre parce que je l'ai récupéré, j'avais pas la fourche, donc il fallait refaire une fourche en 150, et du coup bah, la couleur fallait les repeindre en même temps. Et puis t'as pu réincruster le cycle? Bah, j'ai retrouvé du autocollant, mais pareil, parce que j'en ai récupéré un qui est dans son jus, mais les vrais autocollants étaient beaucoup plus larges, ils allaient de là à là. Je crois que je vais déjà virer ça. Il faudrait que je refasse refaire chez un reprographe. C'est du boulot, j'ai fait un lignano l'année dernière, j'ai passé 6 mois à tout trouver. Ouais, si on veut faire les choses bien, à un moment donné, je me fais du shit, je l'ai laissé dans son jus celui-là. Ouais. Peut-être que je le repeindrai un jour. Tu vois le bordel pour retourner ça, les autres. Après le fait de le repeindre, c'est qu'on n'a plus la patine du cadre. Ah ouais, tu vois là, il est dans son jus. Là. Bah, j'aurais peut-être fait aller. Mais il y en a des fois, ils sont tellement rouillés que. Ah ouais, celui-là, ça va encore. Mais toi, tout a disparu, les autocollants. Enfin, les. Mais là, ce qui est dommage, j'avais une petite fissure, que là, c'est un appendice qui faisait en résine ou en fibre. Là, il n'a pas de. Il y a une petite fissure ici.